Salut à tous assassins, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur le nouveau DLC d'Assassin's Creed 3, La tyrannie du roi Washington. Donc si vous ne le saviez pas encore, Ubisoft avait décidé de diviser ce DLC en 3 épisodes, sachant que le premier épisode Déshonneur est sorti aujourd'hui, et que les deux prochains épisodes Trahison et Rédemption seront disponibles le 19 mars et le 23 avril prochain. Il faut savoir aussi que ces épisodes sont disponibles gratuitement via le Season Pass et que dans le cas contraire, chaque épisode vous coûtera la modique somme de 10 €, ce qui est pour moi bien évidemment toujours trop cher. Mais venons-en au fait assassin, que vaut vraiment le contenu de ce DLC? Tout d'abord, ne vous attendez pas à une suite directe du jeu. En fait, cette nouvelle histoire met en scène Connor dans une réalité alternative. Vous allez me dire, mais comment ça? Tout simplement, souvenez-vous, à la fin du jeu, quand Desmond meurt, sa mémoire, elle est téléchargée dans le cloud, et les mémoires de Desmond sont donc toujours accessibles, et cette histoire, elle est donc construite depuis ses mémoires. Et le principe, c'est que vous ne le jouez pas à travers les yeux de Desmond, mais que vous le jouez juste à partir de sa conscience téléchargée. En fait, en gros, vous êtes quelqu'un dans l'animus en train de visualiser ses souvenirs et c'est ainsi que vous pouvez vivre cette histoire. Mais revenons-en à cette histoire, avec un petit résumé. Donc Connor se réveille aux côtés de sa mère et apprend par cette dernière que George Washington est devenu complètement dingue à cause de la pomme d'Éden et qu'il s'est donc autoproclamé roi. Et vous devez vous en douter, nous allons devoir affronter Washington et ses sbires pendant toute cette aventure. Maintenant, parlons de ce premier épisode. Donc sachez que ce premier épisode se déroule exclusivement dans la frontière où vous verrez des gens mourir de faim, des esclaves ou encore des gens attaqués par des animaux enragés. Et bien sûr, tout cela est dû à la folie du roi George. Et sachez aussi que vous aurez quelques objectifs annexes afin d'aider ou libérer ces gens. Car comme vous le verrez, la motivation de Connor dans cet épisode est bien sûr la lutte contre l'oppression. Et vous pourrez voir un Connor un peu différent de l'original avec un peu plus d'émotion et un peu plus profond. Et si vous n'avez pas encore remarqué, Connor aborde un nouveau costume qui est quand même original, qui est mi-loup, mi-indien, et qui est pour moi plutôt sympathique. De plus, dans cette nouvelle aventure, vous pourrez profiter d'un nouveau pouvoir qui est de devenir temporairement invisible. Et c'est intéressant surtout que cette invisibilité, elle sera mise à profit dans certaines séquences d'infiltration. Et par contre, votre santé diminuera au fur et à mesure que vous utiliserez ce pouvoir. Une autre nouveauté aussi, vous pourrez aussi lancer une meute de loups sur vos adversaires, ce qui peut être quand même bien sympa en combat. Et en dehors de ça, vous pourrez toujours récupérer divers objets sur l'ensemble de la zone de jeu, ou encore faire des missions de sauvetage supplémentaires afin d'aider les civils affamés ou encore libérer des prisonniers. Donc voilà, au final, ce premier épisode se déguste en 2 petites heures, ou 3 si vous comptez bien évidemment les missions supplémentaires et les objets à récupérer, ce qui est peu par rapport au prix, j'en conviens. Et comptez donc 6 à 7 heures pour les 3 épisodes réunis. Et voilà, ça sent, même si on part sur une idée intéressante, comme quoi George Washington a été corrompu par le pouvoir de la pomme, et même si j'ai pris quand même du bon temps à faire ce DLC, sur la fin, on est quand même un peu déçu. Déçu par le manque d'originalité, et surtout par ce découpage en 3 épisodes de ce DLC, mais what the fuck quoi? Pourquoi découper ce DLC en 3 épisodes? C'est du n'importe quoi, et c'est vraiment décevant. Et moi, pour ma part, je trouve que ça casse le rythme, et que c'est une mauvaise initiative de la part d'Ubisoft. Et j'aurais apprécié pouvoir profiter de ce DLC en entier, et surtout à un prix abordable. Et voilà, assassin, je vous le dis, il faudrait qu'Ubisoft arrête de se foutre de la gueule de ses fans et qu'ils nous sortent un DLC en entier et pas hors de prix. Donc voilà, vous aurez compris, j'ai poussé mon coup de gueule aujourd'hui. Et en résumé, malgré une bonne idée de départ, où on peut se lancer dans une nouvelle histoire alternative et où on peut voir que les dons de Connor permettent de dynamiser le gameplay, ce DLC il est gâché par un prix trop élevé. Et par rapport à son contenu et par un découpage incohérent en 3 épisodes. Malgré cela, pour moi, cela reste quand même un bon DLC où j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à retrouver Connor et notre bonne vieille frontière. Et surtout, l'histoire est quand même bien sympathique et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et voilà, donc je sais que beaucoup d'entre vous ont dû aimer ou ne pas aimer ce premier épisode, donc à vous de me dire dans les commentaires vos avis sur ce premier épisode. Dès demain, je vous ferai le film de ce premier épisode.
avec des cinématiques et des séquences de gameplay travaillées. Et voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que cette petite analyse vous a plu. Je vous dis à bientôt assassin, portez-vous bien et surtout, bah, n'oubliez pas, rien n'est vrai, tout est permis. Allez, salut tout le monde!